cette année un auteur suédois. Il s'agit... Dans la catégorie des romans, nous avons couronné un livre qui n'est pas à proprement parler un roman, qui n'est pas un essai non plus. Un texte. Et qui rend compte justement de l'hybridation à laquelle on assiste aujourd'hui dans la littérature. C'est le livre de Jablanka, Laetitia ou La fin des hommes. J'ai une pensée aussi pour Laetitia, pour sa sœur Jessica et pour tous leurs proches. Et je voudrais dire mon émotion, ma joie, ma fierté aussi pour les sciences humaines. Pour le dire en un mot, je pense que les sciences humaines font du bien à la littérature et la littérature fait du bien aux sciences humaines. Attends, ouais, j'arrive, il y a des...